Allez, le match qui va commencer. Petite frayeur, hein, pour être transparent. On a cru qu'il allait avoir un petit peu de retard, mais voilà, d'où le petit message dans le chat. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes à l'heure pour suivre ce match donc entre le Paris Akaza et Kingersheim, le 5e contre le 6e. Kingersheim, équipe voilà, un petit peu surprise, hein. Des bons résultats avec son club. Eh oui, Haddad, il a été trouvé justement. Moussa Haddad, l'ouverture de score de la pépite du FC Kingersheim, on en parlait. La combinaison est derrière, il est venu surprendre Moussa Diagouraga. Le 8e but de la saison pour Moussa Haddad. Regardez l'angle fermé. Un gros gros début de match, hein, pour les joueurs de Kingersheim. On sait que c'est toujours des déplacements compliqués. Attention à Caio, il a une frappe, l'égalisation du Brésilien. C'est signé Caio Leonardo et le Paris Akaza qui égalise grâce à son génial Brésilien. Ah dommage, la mauvaise relance là, regardez l'interception et derrière, boum, la frappe pied gauche, Jovin. Face à Youba Soumaré. Oh attention à la mauvaise relance là, Moussa Haddad, en deux temps Youba Soumaré. Le deuxième but du Paris Akaza sur cette mauvaise relance de Moussa Haddad derrière le superbe décalage pour Youba Soumaré avec son pied gauche. Regardez, Moussa Haddad, c'est très très rare, hein, de voir ce genre d'image là, l'interception de Diallo, le décalage et Soumaré qui vient fusiller. Grand effort là, Moussa Haddad. Attention à Caio de nouveau, Giovinazzo, mais de temps, c'est Fabrizio, le renard des surfaces. Fabrizio Borges, le Brésilien, à la retombée de ce ballon. 7e but pour lui de la saison. Et le Paris Akaza qui mène 3 buts à 1. Et encore une fois, Caio, Giovinazzo qui... Moussa Haddad pour qui? Pour Moguinho. Attention parce que cette équipe de Kingersheim ne lâche jamais rien. Et quand on parlait évidemment de la qualité de Moussa Haddad, le meilleur passeur du championnat ajoute une 15e passe décisive. Regardez, Moguinho qui suit. Et ensuite, c'est parfait. Le pied gauche pour le Brésilien. Ah, on est dans une partie d'échec là. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Oh là là, et là on ne siffle pas faute. Oh, et attention parce que là, il va y avoir un 4e but de la part du Paris Akaza Futsal. Oh, il est passé encore un Caio. Il est passé encore. Oh là là, quel but! Quel joueur ce Brésilien! Caio Leonardo, encore une fois, qui avait déjà été exceptionnel sur la fin de partie de saison 2023. Et là, encore une fois, regardez le travail pour y aller tout seul et pour mettre entre les jambes. Alors, on aurait pu siffler, je pense. Voilà, c'est terminé. Donc, bien joué à cette équipe du Paris Akaza qui confirme vraiment qu'elle est dans une belle dynamique. Marcelo Serpa qui disait on va essayer de garder le même rythme de croisière. Pour l'instant, la croisière se passe bien, l'eau est douce, le soleil brille au-dessus des têtes des joueurs parisiens.